Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast, donc consacré au tricot. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et on me retrouve donc sur Instagram et Ravelry également sous le pseudo Lau Demoiselle. J'ai également un blog, donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les tricots finis, ils ont leur article dédié sur le blog. Et vous retrouvez aussi également toutes les informations sur mes projets Ravelry. Je mets toujours tout bien à jour. Donc voilà, vous retrouverez tout soit sur mon blog, soit sur Ravelry. Et tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Alors, aujourd'hui j'ai deux tricots terminés à vous montrer. Je sais plus du tout dans le précédent épisode où j'en étais. Où en étaient mes tricots. En fait, je m'en souviens plus. Donc, je sais plus. Voilà, on fera sans, hein, je m'en souviens plus du tout. Et j'ai un nouveau projet sur mes aiguilles à vous présenter aujourd'hui. Donc ça y est, c'est parti. On commence tout de suite avec les tricots finis. Hop. Alors, le premier projet fini, il s'agit du pull Bloomsbury de Svetlana Volkova. C'est là que je ne sais plus du tout où j'en étais. La dernière fois quand je vous l'ai présenté, j'ai bien juste de regarder, je l'ai fini le 11 mars, donc je devais être quand même vachement bien avancée dans le pull. Je devais avoir fait les manches, j'ai dû faire le corps après, bon bref, je m'en souviens plus du tout. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, donc en top down. On commence donc par l'encolure que moi j'ai modifiée, je l'ai fait plus... J'ai fait moins de rang en fait pour avoir une encolure plus dégagée que ce qui est dans le patron. Et ensuite on a donc une dentelle sur les manches. Alors je vais essayer de vous la montrer en entier la dentelle. Ah bah voilà. Hop. Donc voilà, on a une dentelle sur la manche. Donc vous voyez, on a ce premier motif là et puis là on a deux petites rangées de jetés. Et donc on a la même chose hein, sur l'autre manche évidemment. Et on a donc on retrouve le même motif et cette fois-ci avec 4 rangées au total de jetés de chaque côté sur tout le dos. Voilà. Et donc le devant, il est en jersey en droit. Donc c'est un tricot, c'est un pull qui se tricote en rond. Donc on commence du haut vers le bas. Que vous dire sur ce pull, je me souviens, j'ai déjà oublié tellement. Alors, ça me demande de l'attention quand on fait le tricot. En fait, en soi, c'est pas compliqué. La dentelle est très simple à faire. Elle est sous forme de diagramme uniquement, il me semble. C'est juste qu'en fait, il y a les augmentations à gérer à plusieurs endroits parce qu'on a des augmentations ici pour faire le devant. C'est un peu comme un raglan. Sauf qu'en fait, les augmentations qu'on a sur le devant, ce ne sont pas les mêmes qu'on a sur l'arrière. Vous voyez, ici, en fait, on va avoir deux séries d'augmentations. On a des augmentations qui se situent là et qui se situent ici. Et sur le devant, elles se situent uniquement là, sur les côtés de la dentelle. Donc, c'est quand même... je trouve que ça demande de la réflexion. Parce que, voilà, à chaque endroit, c'est pas forcément les mêmes augmentations qu'on fait. Mais, voilà, c'est pas non plus bien compliqué. Ça demande juste de l'attention. Et puis, c'est juste le temps de faire... le haut jusqu'aux emmanchures. Une fois qu'on a fait les emmanchures, ben voilà, hein, c'est un truc c'est un truc tout simple et donc on fait tout le corps et puis ça se termine par des côtes. Alors je ne sais plus si les côtes, je crois que si j'ai respecté le nombre de rangs préconisés par le patron au niveau du bas du corps et des manches, donc je vais vous l'enfiler pour montrer ce que ça donne. Ah bah non, avant je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte mon pull Syrah de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté donc dans les laines Lille Sock de Lily sur un fil. Donc voilà, je vous représente le fameux pli qui caractérisant ce pull Syrah. Après, c'est vraiment un pull tout basique. Je vous en avais parlé dans ma vidéo récemment sur mes pulls d'hiver. Donc moi, je l'ai tricoté en hiver. Pour moi, c'est quand même un coloris très automnal, hivernal. Donc je l'ai beaucoup porté cet hiver parce que de toute façon, je l'avais tricoté en hiver. Mais ma foi, là, au printemps... il fonctionne encore bien. Donc j'avoue que c'est vrai que là, s'il aurait été en tricot plus clair, j'aurais mis encore plus facilement au printemps. Là, je trouve que c'est une couleur un peu trop sombre pour le printemps, mais aujourd'hui, on a vraiment un temps
Un temps d'automne, donc il se prêtait bien et voilà, il me tient chaud aujourd'hui et j'en suis vraiment contente parce que le temps il est pourri, voilà, autant le dire. Donc là, je vous enfile ça pour vous le montrer. Alors, hop, voilà, je l'ai passé. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait une encolure dégagée parce que sinon en fait ça remontait fort. Et moi, c'est pas quelque chose que je voulais vraiment pas quelque chose qui me serre le cou, c'est quelque chose que je supporte pas du tout. Donc voilà, moi j'ai fait une encolure dégagée. Après en hiver, moi je mets facilement des châles, donc bah, voilà, si j'ai froid, de toute façon je mettrai un châle, ça me dérange pas du tout. Donc moi je l'ai fait en taille S parce que quand j'ai fait mon échantillon il avait pris 2 cm en largeur, en hauteur. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une taille S pour avoir en fait entre un M et L. Alors je me lève. Donc c'est un pull qui se porte avec une aisance 0 voire même négative. En fait il est prévu pour être ajusté. Hop, je remets mon pantalon encore. C'est ce qui est voilà, c'est comme ça qu'il est pensé le modèle par la designeuse. Donc je vous montre hop, le dos tout en dentelle. Et donc on a voilà toutes les manches là avec la dentelle. Hop, voilà ce que ça donne. Ah, je sais pas si je peux me reculer encore. Hop, hop, hop. Vous voyez pas le haut. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors comme je vous ai dit, moi je l'ai taillé. C'était un peu un risque. Hein. Je partais un peu. Voilà, j'étais quand même pas sûre de moi de prendre une si petite taille. Parce que donc pour rappel, moi en fait je l'ai déjà tricoté une fois en taille M. Et il était devenu trop petit, les manches trop courtes, le façon tout, il était un peu trop court de partout, en hauteur, en largeur, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le refaire. C'est la première fois que je me refais un modèle pour moi, parce que normalement, voilà, un tricot, un patron, je le fais qu'une fois, j'aime pas le faire deux fois. Mais c'est vrai que c'était un modèle que j'aimais beaucoup et je le trouve hyper élégant par sa dentelle et tout. Donc je voulais refaire vraiment une version qui était maintenant adaptée à qui était à la bonne taille. Donc je vous avoue que quand j'ai vu qu'il fallait que je parte sur la taille S, parce que moi je partais sur l'idée de faire la taille L en fait, mais mon échantillon ça n'allait pas du tout, j'étais un peu sceptique parce que surtout que quand on le tricote en fait, la laine à moi elle a pris elle s'est beaucoup détendue donc au lavage, mais c'est que quand je l'ai tricoté il faisait petit. Mais finalement voilà quoi, j'ai une bonne longueur de manche, j'ai une bonne longueur partout, voilà, je suis pas serrée, je me sens pas, je suis à l'aise dedans, donc ça va, je suis contente. Le patron il est disponible qu'en anglais. Alors, ah oui, puis oui, moi je vais vous dire les détails petit à petit. Donc il est disponible qu'en anglais au prix de 6,84 €. Et moi je l'ai tricoté en malabrigo. Alors j'ai monté mon reste. De ce fait là, comme j'ai tricoté en plus la taille S au lieu de la taille L, ben, il m'est resté de la laine. J'étais ravie. Donc voilà, elle est toujours en. Je vous avais dit pourtant dans mes vlogs que je comptais la remettre en écheveau. Mais comme vous pouvez le voir, c'est toujours pas fait. Mais là je crois que comme je l'ai monté, et en fait mon dévidoir il est juste là à côté de vous, je crois que je vais le faire là tout de suite. Comme ça sera fait. Donc c'est de la malabrigo worsted coloris Applewood. Et en fait, ça a beau s'appeler Worsted, je crois que ce n'est pas de la Worsted. J'ai pu voir après sur Ravelry qu'elle est classée autrement, mais je ne saurais plus vous dire quoi. Bon, enfin bref, toujours est-il que j'ai utilisé ça. C'est la laine qui est préconisée par le patron. Mais moi, comme je vous dis, ça s'est fort étendu au blocage. Alors, je l'ai terminé le 11 mars et depuis, je ne l'ai pas encore porté une seule fois. Parce que... il est près du corps, c'est une laine épaisse, donc ça, je me suis dit que ça allait quand même tenir vachement chaud, donc ben, je le réserve pour l'hiver prochain, tout simplement. Voilà, pour l'instant je ne l'ai pas encore porté parce qu'on avait eu vraiment des belles journées là sur la fin mars. Donc là c'est sûr qu'il commence à faire un peu moins beau, mais je pense qu'un pull comme ça, vraiment j'aurais trop chaud. Certes au matin il fait frais, mais dans l'après-midi ça va se réchauffer, donc j'aurais trop chaud. Donc, je ne l'ai pas encore porté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas dans ma vidéo pull d'hiver parce que j'ai aucun retour sur. Je peux pas vous dire du tout de retour sur la laine. Si ce n'est que bah, ça a été agréable à tricoter. Elle est vraiment très très douce. Ça va être vraiment un pull agréable à porter. Alors après, au niveau des écheveaux, ceux qui ont suivi mes vlogs, j'ai eu un problème. Bon. Les écheveaux sont très nuancés.
Ah bah voilà, et donc j'ai ici une forte démarcation. Vous voyez, là c'était beaucoup une zone beaucoup plus claire et là c'était une zone beaucoup plus foncée, donc ça me fait une marque ici. Alors en vrai ça se voit moins qu'à l'écran, et puis comme si c'est comme ce derrière en plus, ben de face ça se voit pas. Et c'était le même écheveau, avec le même écheveau j'ai fait la deuxième manche, et vous voyez là cette partie-là de l'écheveau elle était déjà beaucoup moins nuancée, et donc c'est moins choquant. Et je n'ai donc pas alterné mes écheveaux, hein. Si vous me suivez depuis un moment vous savez que moi je déteste faire ça et je le fais pas. Et donc sur le reste du corps je n'ai pas alterné, et il n'y a pas de souci quoi. Hop là, que je tombe pas sur vous. Peut-être là, il y a peut-être eu un changement, j'en sais rien. Mais voilà, il n'y a rien de flagrant, de choquant, donc ça me convient très bien. Je vous avoue que quand j'ai eu ça, j'ai eu quand même peur que le reste du pull, il y ait des marques partout. Là, j'avoue que ça m'aurait un peu embêtée. Mais au final, voilà. À chaque fois que je reprenais un nouvel écheveau et que je commençais à tricoter, je voyais bien que ça se fondait bien. Donc voilà, pas de souci. La laine, alors moi, je l'avais achetée il y a un sacré moment déjà. Je l'avais acheté pendant les soldes en 2019, les soldes d'hiver 2019. Donc moi j'ai dû l'avoir un peu moins cher que ça, mais en tout cas, donc un écheveau s'est vendu 12 euros. Ah bah c'est pas cher, hein. Et moi j'ai dû encore l'avoir moins cher parce que je l'avais pris en promo. Et donc il m'en a fallu 4, soit 48 euros. Donc ça va, je trouve que c'est quand même raisonnable. Et je vous ai pas dit qu'est-ce que c'est comme... C'est de la 100% laine, pure merino wool. Oui, voilà, 100% merino. Qui ne doit pas être super wash. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je me risquerai pas de toute façon à le passer à la machine. Voilà, je vous le montre une petite dernière fois. J'aime beaucoup les longues côtes comme ça. C'est un peu. On se dit, ah, il y en a beaucoup à faire, mais finalement, ça se fait vite. En plus, c'est un pull qui se tricote vite parce qu'il doit se tricoter en 5,5 ou 6. Donc ça va relativement vite. Je sais plus combien de temps j'ai mis pour le faire. Je l'ai commencé le 27 février, je l'avais fini le 11 mars. Donc finalement, ça avait été rapide à faire. Puis à côté de ça, je faisais autre chose. Donc voilà, mais ouais, non, ça avait été rapide à faire, j'en étais contente. Et vivement l'hiver prochain pour pouvoir le porter. Parce que même si les manches et le dos sont toutes en dentelle, la laine va tenir chaud, je n'en doute point. Je n'en doute point. Voilà. Je sais qu'il y a des gens, ils l'ont fait. Alors, je sais pas dans quelle taille il est disponible. Je sais que j'ai vu des gens faire des duos mère-fille avec, ça rendait super bien. Mais j'avoue, je sais pas si c'est parce que les personnes l'ont adapté ou si le patron il y a des petites tailles. Je crois qu'il y a des petites tailles, il y a les tailles enfants dedans. Mais j'en suis plus sûre. Alors par contre, le patron il est court, quoi. Il est succinct, hein. Il y a que vraiment les informations nécessaires pour le lire, pour le faire. Et en plus, je trouve que, ben, voilà, il faut bien lire le patron parce qu'il y a un moment où on va vous dire, ben, pour la taille, telle taille, telle taille, telle taille, lisez la note qu'il y a plus bas dans le patron. Donc voilà, faut le lire en entier. Mais voilà, c'est pas un patron avec énormément de détails, quoi. Bon, vous avez vraiment que la base, ben, les informations nécessaires pour le faire. Après, voilà, c'est pas compliqué à faire, mais... Vous attendez pas à un patron où vous êtes tenu par la main tout le long, ou voilà, c'est pas, c'est voilà, c'est un modèle succinct. Moi ça me dérange pas du tout parce que parfois quand il y a trop de blabla, bah, on s'y perd un peu, ou bon voilà, moi j'aime bien juste avoir les informations. Avec l'habitude du tricot, c'est vrai qu'on sait comment on sait où on va, on sait comment le pull est reconstruit, et donc on a juste finalement pas besoin de savoir où est-ce qu'on va faire nos augmentations, combien on a besoin de mailles, et puis finalement ça se fait tout simplement. Donc voilà, ça c'était mon premier tricot fini. On va pouvoir passer au deuxième, c'est un sacré morceau également. Alors, le deuxième tricot, je l'ai commencé le 25 décembre, ça avait été mon castone de Noël, donc la première fois pour ma part que je faisais un castone de Noël. J'avais jamais... C'est pas que j'aimais pas ce principe-là, mais j'aime pas avoir trop de projets en même temps. Donc souvent à Noël, j'avais déjà quelque chose de prévu parce que j'ai toujours quelque chose sur mes aiguilles. Donc l'idée de me dire de commencer un autre projet alors que j'en avais un autre qui n'était pas fini, c'était pas une idée qui m'emballait. Mais voilà, cette année, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle-là. Et je me suis dit, allez, on va tenter le coup d'avoir... un encours secondaire qui avancera à un rythme différent que je tricoterai petit à petit. J'ai tenté l'expérience parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, ça d'avoir un gros projet comme un pull.
En arrière comme ça que je tricote tout doucement. En fait, avoir une paire de chaussettes en plus d'un pull ou d'un gilet ou d'un châle, pourquoi pas. J'ai ma couverture de reste qui est toujours là derrière, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'avoir deux projets que j'ai envie de porter finalement en même temps sur mes aiguilles, moi. Enfin, je sais même pas. Non, c'est même pas que j'ai envie de porter, mais. Bon, je sais pas en fait. Ben, voilà, les chaussettes, ça me dérange pas de les avoir à côté en plus d'un autre projet. Comme on dit souvent, les chaussettes, ça compte pas. Par contre, voilà, avoir deux pulls en même temps à tricoter, si c'est pas pour un test, ben, en fait, c'est pas quelque chose qui. Voilà, c'est pas quelque chose qui me convient forcément. Mais là, je me suis dit, je sais pas, j'avais fortement envie de commencer ce patron-là, puis voilà, j'avais vraiment envie. Pour une fois, j'avais vraiment envie, puis je me suis dit, bah allez, on va faire cette chose-là, faire le caston de Noël. Donc je l'ai commencé à Noël, et je l'ai fini le 25 mars, donc 3 mois plus tard. Et donc il s'agit de mon pull poncho de Paul Tébé. Alors voilà, je vous le montre en entier. Hop là! Donc quand je l'ai commencé, alors c'était parti parce que je l'avais vu dans le podcast de Biroulet Game. Et il n'y a pas longtemps là, j'ai arrêté revoir tous mes. Vous savez, sur Instagram, on peut enregistrer des posts et j'ai vu que j'avais enregistré le post de Margiva qui l'avait fait aussi en fait. Mais en fait, comme j'y vais pas souvent, revoir mes posts que j'ai enregistrés, j'avais complètement oublié. Mais j'ai vu que j'avais aussi aimé sa version, donc comme quoi c'est vraiment un modèle qui finalement me plaît depuis un moment que j'avais repéré mais oublié. Donc là, en plus, mes Biroulet Game montraient qu'en fait, elle l'avait fait avec des restes de laine qu'elle avait ou des échevaux solitaires. Je me suis dit, mais en fait, je peux faire pareil. J'avais des échevaux dans mon stock. Ils avaient plus ou moins quelque chose. J'avais peut-être une idée de ce que je pourrais faire avec, mais sans avoir un réel coup de cœur avec. Donc, entre les laines et le projet. Donc je me suis dit, bah en fait c'est le moment ou jamais de les utiliser pour quelque chose vraiment où là j'avais un coup de cœur et je me dis, bah ouais, ça sera parfait. Donc voilà, donc c'est un pull également qui se tricote en rond. On commence par le haut, par des côtes perlées. Encore merci Margiva de m'avoir dit ce que c'était parce que moi je vous avais dit que ça ressemblait à de la brioche mais que ça n'était pas, mais que je savais pas ce que c'était. Mais donc c'est des côtes perlées. Alors moi la grosse différence que j'ai fait pour ce patron c'est que je n'ai pas utilisé de mohair parce que je n'avais pas de mohair en stock, je ne voulais pas en acheter. Et là, je vous avoue, je ne sais plus si on doit utiliser du mohair dans les côtes ou pas. Je sais que là, les manches, le corps, on est censé avoir du mohair, mais moi, j'en ai pas. Donc, bref. On commence par faire les côtes. Et puis ensuite, on suit la grande grille de jacquard. Voilà. Ça représente tout ça, la grille de jacquard. Et bien voilà quoi. Voilà. C'est la première fois que je tricotais autant de jacquard sur un patron. Moi je m'étais contentée toujours de faire que des yokes normaux. Donc voilà, à peu près hop, ça de jacquard. Pas plus. Jamais bien des jacquards finalement bien compliqués. Si on croisait les fils de temps en temps, mais sans plus. Jamais du jacquard à 3 couleurs. Voilà, toujours un jacquard où le modèle visuellement était très facile à voir. Et où je me repérais facilement. Alors, j'ai dû couper parce que je n'avais plus de place sur la carte mémoire. Donc, désolée, ça va peut-être bouger un petit peu. Alors, j'en étais à donc, je vous disais, voilà, j'avais fait que des jacquards vraiment simples. Donc, celui-là, c'était, voilà, pour moi, un peu un challenge, un défi de réaliser autant de jacquards sur un si grand morceau de tissu parce que, voilà, c'est un pull poncho et donc on a l'effet poncho et donc l'emmanchure elle est vraiment très très basse. Alors ensuite le motif, et là ça n'a pas toujours été très simple pour moi, et au niveau des sapins on doit pas mal croiser les fils, ça demande, voilà, c'était la première fois que j'avais autant de distance à faire et tout, et puis souvent quoi, bon bref, on doit pas mal croiser les fils à ce niveau-là, et puis ce fameux passage-là, donc en fait moi j'étais hyper bien lancée, hein. Le départ oh, ça a été tout seul, c'était dans l'excitation du début du projet, je me suis lancée, ça a été très très bien, et arrivé là, j'ai eu beaucoup de mal avec ce motif-là, qui représente plus ou moins du hou. On a eu une longue discussion ensemble parce que moi quand je l'ai fait, ça ne représentait rien du tout et je n'arrivais pas à me repérer. Donc je l'avais commencé, j'ai fait des erreurs, j'ai défait, j'ai refait des erreurs. Donc j'ai redéfait et je l'ai laissé de côté. Et là il est resté un petit moment de côté. Parce que ben, je tricotais que de temps en temps puisque j'avais toujours un encours principal
qui était prioritaire, donc lui il passait que au second plan, mais c'était mon objectif normalement de le tricoter petit à petit. Mais là j'avoue que ça avait été tellement compliqué que ben ça j'ai mis de côté et puis je l'ai laissé un moment poser parce que ah oui, je faisais mon renouvellement d'agrément d'assistante maternelle, j'avais vraiment pas la tête à ça, donc je m'étais dit c'est tout. Je reviendrai dessus plus tard. Et quand je l'ai repris, vraiment la bien reposé tout ça, j'ai réussi à passer ça et après bah, ça a été beaucoup plus facile. Donc je me le consacrais que les week-ends pour le faire. Donc le week-end j'avançais un petit peu et donc voilà, des petites croix, les verres à vin, ce joli motif là que moi j'aime beaucoup, je trouve que ça rend super bien. Et puis ici, flocons de neige ou croix de montagne, bah, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'était très joli. Et là, il y a du jacquard 3 couleurs, la première fois de ma vie que j'en faisais. Donc avant le blocage, c'était vraiment immonde immonde. Quand je l'ai lavé, c'était toujours immonde immonde. Et une fois que ça a séché, et ben la laine, elle a bien pris sa place et c'est quand même pas trop mal. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est pas trop mal, trop mal. J'ai fait un jacquard invisible à ce niveau-là, parce que je m'étais dit que je voulais pas une coupure nette entre le rose et le beige ici. Donc j'ai fait un jacquard invisible. Et ouais, je crée des nouvelles tendances, hein. Un nouveau concept, jacquard invisible mais présent. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait j'ai fait ce motif là, bien présent et bien visible là, mais je l'ai fait là ici, mais franchement je sais pas si vous allez le voir quoi. Quelque part là, voilà, il y a du jacquard invisible. Et puis on fait une manche et puis des côtes perlées. Donc j'aime beaucoup les côtes perlées, en fait c'est quelque chose, ça rend super bien d'avoir des bouts de manches contrastants comme ça, j'aime beaucoup beaucoup. Et le reste du corps, donc lui il est en rose, hein, la même continuité que cette chose là, dans la même continuité il est en rose et là c'est des côtes normales. Comme je vous avais dit, normalement ici il aurait dû avoir du mohair en plus, et chose que j'ai pas faite, donc j'ai fait moins de diminution, j'ai fait un peu à ma sauce et ça tombe pas trop mal, voilà. Donc je vais vous le passer pour vous le montrer également. Donc voilà la bête, j'ai pas fait d'échantillon, je me suis lancée dans la taille L sans faire d'échantillon, voilà, c'était aussi un petit détail que je voulais vous dire. Donc voilà ce que ça donne, hop, donc c'est un pull poncho, mes coudes sont ici, donc ils arrivent pile à, en fait là, à l'emmanchure. Donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment contente du rendu, quoi. J'adore le motif, tout ça, ça rend super bien. C'est super beau, c'est très très joli. Au niveau des longueurs, je suis bien. Alors, comme je vous avais dit, comme j'avais pas de mohair, j'ai fait moins de diminution. J'aurais dû faire plus de diminution à la manche pour avoir une manche plus serrée. Mais voilà, c'est pas non plus bien grave. Le pull, il s'est bien allongé, moins bien. Il s'est un peu allongé, on va dire, au blocage. Parce que mes manches étaient plus courtes avant. Et voilà, c'est arrivé à la bonne longueur. Donc voilà ce que ça donne. Bah, de toute façon, hein, c'est la même chose. Pas besoin que je me contorsionne pour vous le montrer. Donc voilà. Donc c'est sûr, c'est un pull poncho. Donc c'est pas celui dans lequel on va faire le plus de choses, quoi. C'est pas. C'est sûr, c'est pas le pull dans lequel on est le plus à l'aise. Mais voilà, j'ai quand même de l'aisance. Je peux bouger. Je suis à l'aise dedans quand même. Il y a le tricot, c'est élastique, donc ça bouge pas mal. Donc par contre, une fois qu'on lève les bras, tout ça, j'ai plus de manches. Hein, les manches, elles ont disparu quelque part là. Tout se tasse là. Mais bon, voilà, ça me permet... voilà, les manches, elles remontent et dans ces cas-là, je peux bien bouger. Mais voilà, de toute façon, je savais très bien que c'était un pull poncho, que ça allait pas être la chose la plus pratique à porter. Je peux pas le mettre sous un manteau, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment le pull que je sais que je vais porter le dimanche quand on va rester à la maison tranquillement. Voilà, à tricoter. Vous voyez, il n'y a pas de problème pour tricoter, donc si je peux tricoter, c'est que tout va bien. Et d'ailleurs, je pense que je vais le porter ce week-end parce que vu le temps qu'on a, ça va être pas mal pour ce week-end. Ça va être vraiment pas mal, pas mal. Donc je vous le remontre, hein, parce que franchement, j'en suis fière. Voilà, c'était un sacré morceau à tricoter, ça... Mais c'était pas mal, c'était chouette, quoi, c'était chouette. Voilà, avant de se lancer dans un pull full jacquard, au moins j'ai fait ça. Après le pull full jacquard, du jacquard tout partout partout, c'est pas pour maintenant. Parce que là, il y a plus de 400 mailles en fait sur le. Quand on arrive au plus haut du truc là, du poncho là, du tour, il y a quand même plus de 400 mailles quoi. Donc c'est un sacré morceau.
Mais j'en suis super contente. Alors, le patron, il est disponible en français, en anglais. Là, c'est pareil aussi. Bah, après, en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. Le patron, il est simple. Parce que, bah, de toute façon, on suit une grille de Jacquard. Après, les explications sont simples, sont claires. C'est les codes perlés, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est sympa. Alors, il coûte 6,37 €. Donc, c'est le Winter Wine. Je ne sais même pas si je vous avais dit son nom. Donc, de Paul Thébé. Alors, pour vous montrer, donc on va maintenant parler un peu d'Hélène. Donc moi j'ai fait un peu de tout, comment dire ça? Bah j'ai déjà farfouillé un peu tout ce qu'il y avait dans mon stash. Hop, j'en profite, je vous montre, j'ai tout mis là-dedans, dans ce joli sac Petite Montagne. On m'a dit hein, que j'avais beaucoup de sacs à projet, oui j'en ai beaucoup. Je pourrais un jour tous vous les montrer si vous voulez, mais oui c'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais j'aime bien changer, j'aime bien soit mettre les projets par couleur. Un peu, voilà, quand j'ai un projet où j'ai un projet dont la couleur est assortie à un sac, je les mets ensemble. Ou sinon, bah, parfois juste je les roule pour changer un petit peu parce que j'aime bien. Alors, au niveau d'Hélène, on va commencer par le violet là, parce que c'est celui où j'ai le moins d'informations à vous donner. C'est un reste de Air de Lune sur sa base, je ne sais pas quoi, le couleur Eggplant. Et je ne sais plus le prix non plus, donc voilà. Donc ça, je l'avais fait mon Doddler avec et il m'en restait pas mal, donc je l'ai fait utiliser. Donc je ne l'ai pas réutilisé sur le bas du corps parce que en fait, je ne savais pas du tout si j'en aurais eu assez, genre pour faire les deux manches ou autre. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas réutilisé, il est présent que là dans les sapins et l'encolure en haut. Voilà. Et je m'étais dit un truc. Ah oui, au blocage, j'ai rien qui a déteint, au lavage. J'en étais quand même contente parce que ça j'avais un peu peur. Et ben ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ensuite, alors là, j'ai deux échevaux. Où est-ce qu'ils sont? C'est ces deux-là. J'ai deux échevaux donc, qui proviennent de l'échevaux solidaire. Hop, donc c'est dans sa base Kidness. 100% Mérino. 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai la traverse, donc c'est bon, c'est en fait les deux là, c'est le rouge et le beige ici. Donc la traversée du désert, c'est celui-là. Et l'autre comme ça, alors attendez, parce que j'ai l'étiquette dans la main sans faire tomber, c'est écouter la voix de son cœur. Voilà. Donc c'était deux échevaux que j'avais reçus dans ma box de Noël en Noël 2019. Je ne les avais pas encore tricotés, même si j'aime beaucoup les patrons qui étaient fournis dans la box. Bah, j'avais jamais pris le temps de le faire. Et là, en fait, bah, c'était une évidence que moi, je trouve que tout coordonnait bien, en fait. L'ensemble était harmonieux et me convenait très bien comme ça, donc j'ai poursuivi ainsi. Ensuite, j'ai utilisé la teinture lurée. Hop là, et son petit mouton là, trop mignon. Donc dans sa base fingering, voilà, classique Superwash, dans son coloris Oh My Blush. Donc ça c'était un écheveau qui me restait tout seul parce que j'en avais acheté trois dans l'idée de se faire un Zweig. Et finalement, mon Zweig s'est transformé en Maretimo de Kathleen Hunter, où il m'a fallu que deux écheveaux et donc il m'est resté un écheveau solitaire. Et donc voilà, je l'ai utilisé. Et donc ça, je l'ai utilisé uniquement. Et finalement, vous voyez, un écheveau complet, il me reste que ça. Je l'ai utilisé uniquement pour ici. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, je savais que j'avais besoin d'un peu de tous mes écheveaux parce que j'aurais pas pu l'utiliser ailleurs sur le pull en fait. J'aurais pas pu l'utiliser ailleurs. Mais c'est parce que moi, j'ai utilisé, j'ai pas utilisé de mohair. Donc, non, bah, rien n'est. Voilà. Voilà. Et en fait, à la base. J'avais mis ces trois écheveaux là ensemble, donc les deux de l'écheveau solidaire et celui de teinture lurée pour faire un châle, le Torel Go, je sais plus trop, de Kathleen Hunter, mais finalement bah, je ne l'ai pas fait. Le Torel Go, je sais plus, je vous mettrai le nom. Mais bah voilà, j'avais jamais pris, bah, j'étais pas sûre parce que bah, en fait finalement c'est ce qui est arrivé, mon jacquard invisible je l'ai fait dans ces deux couleurs là. Donc finalement j'ai bien fait de ne pas faire mon châle comme ça parce que les rayures on n'aurait jamais rien vu, enfin bref. Et ça c'est mon jacquard invisible, c'est ces deux couleurs là ensemble. Parce que comme je savais que j'allais pas avoir assez de rose hop, hop, sur ma manche, ouais, puisqu'elle veut pas venir, viens là. Sur ma manche ici là, bah, c'est le restant, c'est mon reste de la traversée du désert de l'écheveau solidaire. Et enfin le dernier coloris, hop, c'est donc de la Féfil. Hop. Donc c'est pareil, Merino Superwash, ça passe crème.
Là, idem, j'avais acheté 3 échevaux. Alors en fait, non, c'est même plus, c'est un peu plus compliqué. Et il me reste tout ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai utilisé. Attendez, parce que là je m'en sors plus. Hop, hop. Donc, le sapas crème, il est... Alors, donc j'ai commencé avec mon air de lune, avec les deux échevaux de l'échevau solidaire. J'ai fini, j'ai passé encore du air de lune ici. Ensuite, là, le rouge, c'est toujours les chevaux solidaires. Là, c'est par contre, j'ai passé à sapas crème parce que je me suis dit que j'en aurais pas eu assez de celui-là pour faire tout ça avec. Donc là, c'est les chevaux solidaires et sapas crème. J'ai repris le beige de les chevaux solidaires pour finir les manches. Et j'ai fait tout le corps donc avec la teinture urée. Voilà. Ça, vous voyez. Et je sais déjà plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, alors sapas crème, j'en avais acheté deux échevaux pour faire un châle qui finalement ne ça n'allait pas parce que on avait acheté la laine au fil de la manche. J'ai écouté mon chéri, mais en fait j'aurais pas dû parce que à la maison je regarde mes trois échevaux et je me suis dit bah non en fait ça ira pas. Donc j'en avais racheté un troisième dans l'idée de me faire un pull. Mais le troisième écheveau, forcément, je l'ai acheté en fait, mais des mois et des mois après, c'était pas le même bain, il y avait une légère différence. C'était pas flagrant, hein, ça aurait pu passer, mais ça, voilà. Puis finalement, je l'avais pas fait, j'avais rien fait. Et donc, les deux écheveaux qui étaient du même bain, j'ai fait le pull, le top Missurina de Kathleen Hunter, encore une fois. Et donc, il me restait un écheveau tout seul. Et lui, il était tout seul et je savais plus quoi en faire, donc c'était parfait. Donc, en fait, quand je les ai mis tous ensemble, bah voilà, ça, je trouvais que voilà, ça allait vachement bien, ça faisait une belle palette et que c'était parfait pour ce projet. Donc il me reste surtout les deux coloris beige, beige, beige quoi, hein, beige et beige, beige et crème. tout ce qui est dans les tons rosé, rouge, violet, ça a bien diminué. Celui-là, il en reste pas mal. Alors au niveau des quantités, tout est inscrit sur mon Ravelry. J'ai tout pesé, tout mis pour que vous voyez un peu combien j'ai utilisé. Au niveau des prix, j'ai pas... Je sais même pas si j'ai fait le total. Est-ce que j'ai mis quelque chose en moi? Alors j'ai pas fait le total de ce que j'ai utilisé, mais donc un écheveau de la Fifi c'est 23 €, un écheveau de teinture lurée c'est 22 € et les deux écheveaux, un écheveau de l'écheveau solidaire c'est 21 €, et j'en ai utilisé deux. Donc voilà, donc ça fait quand même son prix assez conséquent, mais voilà, c'est mon plaisir à moi, on va pas revenir sur le prix des laines, hein. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais voilà, c'est vraiment un beau morceau. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que c'était, à part ce moment qui a été difficile, et ça a vraiment été un plaisir à tricoter. Ça a été vraiment très très chouette à faire. C'était voilà, c'était un peu un challenge pour moi de faire vraiment autant de jacquards sur un projet. Voilà, c'était ma première fois et ben voilà quoi. J'en étais contente. Donc j'ai fait ce projet là au début, donc il y a un moment, donc au départ bien lancé, je me suis stoppée à cause du fait que j'arrivais pas à me repérer sur le haut. Et quand je l'ai repris, je le reprenais par week-end en fait. Je me disais, ah le week-end, j'ai arrêté mon encours principal pour faire que lui. Et quand j'ai eu fini de faire ce pull là, c'est ça il me semble, je me suis dit, j'avais bien avancé dans le jacquard et j'étais pratiquement sur la fin du jacquard et je me suis dit non c'est tout, je me lance et je finis ce truc là, je finis ce pull là, j'avais vraiment envie de le finir et c'est devenu mon projet, mon encours principal et je l'ai terminé. Et ça fait que maintenant je n'ai plus qu'un seul projet sur mes aiguilles et c'est ce dont on va parler maintenant. J'ai remis mon pull que j'avais quand même choisi de porter aujourd'hui. Hein, et j'ai même plié les autres. Parce que je les avais, comme d'habitude, jetés à terre. Mais j'ai pris le temps de les plier avant de revenir vous voir. Donc, nouvel encours sur mes aiguilles. C'est le seul que j'ai sur mes aiguilles. Je suis contente. Je vais tenter, je vous en ai parlé dans mon vlog. Vous le saurez dans le vlog. Voilà, je tente d'être de redevenir mono en cours, tout ça. Et je vous en parlerai dans les vlogs de ça. De voir comment... voilà, de voir... De voir d'avoir vraiment qu'un seul projet sur ses aiguilles et voir comment il avance. Alors, j'avais très envie de printemps. Voilà, il fait. Je regarde par la fenêtre. Il faisait beau, il a fait très bon, on a eu du soleil et tout. Ça donnait envie de printemps. Et j'ai pas beaucoup de pulls de printemps en fait. Je me suis toujours consacrée à mes pulls d'hiver, mais voilà. Cette année, je me suis dit qu'il fallait que je m'active un peu sur mes pulls de printemps. Donc clairement cette année ça sera pas que suffisant parce que j'en ai prévu que deux finalement. Je sais pas si j'en ferai un troisième ou pas moi.
Toujours est-il que voilà, ça sera quand même dans mes habitudes. Je suis en train d'enrouler un fil. Est-ce que c'est ton fil ou moi? Oui. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Et donc là, j'ai craqué en fait sur une laine de The Woolly Skein Angélique qui sortait une toute nouvelle base. Oh, j'ai pas pris l'étiquette. Ah, je l'ai peut-être dans mon carnet. Donc je vous montre la laine. Et vous voyez comme elle brille. Parce qu'il y a de la soie. Donc c'est 75% mérino, 25% de soie. Donc ça brille, c'est doux, c'est fluide. Ça glisse super bien sur les aiguilles. C'est vraiment très très joli. Donc là c'est le coloris Baked Earth. Désolée pour mon accent. Bon voilà. J'ai acheté ceci dans l'idée de faire un pull printanier. Je vais avoir l'étiquette. Alors, hop, oui. C'est merveilleux cette petite chose-là. On a toujours tout sous la main comme ça. Hop là. Donc je vous montre, hop, l'étiquette. Voilà. Et puis mon petit échantillon là, qui, hop, qui est rangé dedans. Regardez, ça m'amuse moi. Je le pose comme ça sur mon bureau et je vois tous les petits échantillons. Je trouve ça très rigolo. Ça me fait repenser. Ma mère, elle avait ça quand j'étais petite. C'était le. Alors nous, on avait celui de Bergère de France, mais elle avait le catalogue, la Bergère de France. Donc, en fait, au niveau là de la tranche, c'était tout fin. Puis là, c'était comme ça, quoi. C'était hyper épais. Et en fait, on avait toutes les gammes de fils. Vous savez, en fait, tous les fils, là, ils sortaient du cahier. Là, on avait donc tous les coloris par gamme de fils. On avait tous les fils. Et moi, j'adorais jouer avec ça. Quand j'étais petite, ma mère, elle me les donnait chaque année. Je pouvais jouer avec et tout. Ben bref, ça me rappelle ça et j'adorais ces magazines avec tous ces fils et toutes ces couleurs et voilà quoi. Donc oui, hein, parce que moi j'ai grandi en fait hein, dans le tricot, tout ça, j'ai porté des pulls tricotés main, tricotés avec une machine à tricot, des pulls avec des grosses têtes de mini en jacquard, je portais des leggings que ma mère m'avait cousus, ben, bref, ma mère était très tricot, couture, canevas, crochet. Aussi, on avait un crochet, faisait des plaids en granit là pour le canapé et je mettais mes. Maintenant j'ai honte de moi, je mettais mes doigts partout dans les trous, forcément c'était marrant, mais quand je trouvais des fils, je tirais dessus. Maintenant je comprends qu'en fait c'était ma mère qui l'avait fait, qu'elle l'avait assemblé, et qu'il y en avait certains qui, ben, avec l'usure, ils se décousaient là. Il était. On avait un plaid là vraiment. Qui ferait vraiment vintage maintenant dans les couleurs marron, beige, avec un petit peu de touche d'orange, je suis sûre. Ben, voilà, c'était. C'est des années après que je réagis que c'était ma mère qui l'avait fait et que je tirais sur les fils. Mais il y avait des trous partout, c'était trop bien de passer ces trous dedans. Non, bref. Pourquoi je vous racontais ça? Ah oui, à cause des. Et donc, oui, voilà, les petits catalogues de fils Bergère de France. Enfin, bref, tout ça pour dire que je voulais faire un pull de printemps. D'ailleurs, je vous ai fait une sélection de mes pulls, de petits pulls que j'aimais bien, printaniers, que j'ai mis sur le blog. J'avais fait appel à vous. Sur Instagram pour avoir des idées et j'ai tout regroupé sur un petit article. Voilà, si jamais ça peut vous donner des idées. Et moi j'ai fait mon choix s'est porté sur le pull Atyrium de Malora et Design que je suis en train de retourner dans tous les sens là en dessous, vous voyez pas, mais je me galère bien. C'est la première fois que je tricote un patron de cette designeuse. Donc c'est une designeuse française, donc le patron est disponible en français. Parce que je sais que quand même vous êtes beaucoup finalement à pas tricoter en anglais. Donc voilà où j'en suis actuellement. Et ça avance bien, moi, je suis vraiment contente. Donc c'est un patron qui se tricote du haut vers le bas. On commence par faire le dos. On vient faire chaque demi devant. On assemble et hop, c'est parti pour faire en haut. Donc on a une première dentelle ici là qui est vraiment très très jolie. Donc on a une encolure ronde, mais on a un motif de dentelle qui part en triangle en fait. Et j'aime beaucoup cette forme là en fait. Je trouve que c'est vraiment très élégant. Ça rend vraiment bien comme dentelle. Donc on a cette première dentelle là. Et après à côté on a une deux secondes dentelle. Bon voilà, vraiment très simple. Hein, vous voyez, c'est que des jetés. Ces trois lignes de jetés qui viennent prendre la même forme que la dentelle. Et donc en fait ça finira en triangle au bout d'un moment. Hein, voilà, ça se rejoint au centre du pull. Un peu pour faire comme une encolure de dentelle en V, quoi. Je trouve que c'est ça que ça me fait penser. Donc voilà, rien de bien compliqué. Le patron, il est simple aussi. Voilà, on a toutes les informations nécessaires, hein. C'est un patron simple. Il tient sur 4 pages seulement.
C'est ça, avec la page, avec les abréviations, les tailles, les fournitures, tout ça. Voilà, concrètement, en gros, ça pourrait tenir que sur deux pages quasiment le patron. Et par contre, à côté, on a le diagramme pour les dentelles. Et là, on a trois diagrammes par taille. Donc, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on a un diagramme pour chaque demi-devant. Puis ensuite, on a le diagramme quand une fois tout est réuni. Donc voilà, c'est assez simple, voilà, c'est bon, c'est bien, on suit le diagramme, tout ça. Moi au début j'avais des erreurs dans le diagramme, mais j'ai reçu une mise à jour avec les corrections. Donc voilà, puis ça, de toute façon c'est pas très compliqué. Si vous vous trompez, vous le voyez tout de suite, hein. Si vous vous décalez, ça se repère très très rapidement, hein, parce que vous voyez en fait ça y est, le motif il est que sur quelques rangs, moi. C'est vraiment très facile à faire. Et puis voilà, dès qu'on a fait une erreur, ça se voit tout de suite. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Donc je suis partie, là c'est en rond, je suis toujours dans la dentelle, donc c'est hyper bon, ça motive. Je regarde le diagramme à chaque fois parce que comme il y a le décalage à ce niveau-là, vous voyez, en fait, il y a des décalages ici, hein, en fait, pour faire une sorte de triangle. Je suis le diagramme à chaque rang, mais en fait, je regarde juste quand est-ce que je dois commencer mon motif. Après, je fais tout mon motif. Voilà, il n'y a pas besoin d'être vraiment sur le diagramme constamment. On retient facilement ce qu'on doit faire et c'est vraiment très facile à faire. Donc voilà, rien de particulier pour ce patron. Donc, comme je vous ai dit, disponible en français. Et la laine, elle est vraiment très agréable à tricoter. C'est marrant de passer à une laine aussi fluide et légère en fait. Après tous ces tricots d'hiver, c'est vraiment chouette à tricoter. Par contre, si quand on fait une erreur et qu'on détricote, si vous enlevez le fil, en fait, ben, d'un coup, toutes les mailles, elles peuvent facilement se perdre en dessous. Ça, d'un coup, c'est moins rigolo. Mais bon, c'est parce qu'il y a de la soie dedans et ça glisse. Par contre, ça glisse tout seul, quoi. C'est vraiment très très chouette à faire. Je fais la taille M parce que c'est pareil, mon échantillon au début. Quand j'ai tricoté, il m'avait l'air pas mal et en fait. Et la laine a un petit peu gonflé, donc il s'est élargi. Donc je pars sur la taille M pour avoir la taille L. Oh, je sais plus. Quelque chose comme ça. Mais bon, tout ça, je vous le redirai une fois qu'il sera terminé et que je vous le montrerai le projet fini. Toujours plus simple de vous les montrer à l'envers pour éviter de perdre des mailles. C'est moins joli, mais c'est quand même plus simple, plus simple. Comme souvent, je pense que je vais tricoter. Là, il me reste ça de mon écheveau. Vous voyez, ça part pas si vite. Ah, ça brille un peu trop là avec la lumière. Ah voilà, là c'est pas mal. Il me reste ça de mon premier écheveau. Je vais le tricoter. Je pense que je vais faire les manches pour faire ensuite tout le corps. Je m'étais demandé si je faisais des manches 3/4 parce que je me suis dit c'est un pull pour le printemps. Donc pourquoi pas faire des manches 3/4. Finalement, quand je vois le temps qu'il fait, je vais lui faire des manches longues. Ouais, je vais lui faire des manches longues. Ça sera pas de trop, je pense. Parce qu'au moins, ça me permettra quand même de le porter même les jours comme ça où les jours où il fait vraiment frais. Et les jours où il fait un peu plus meilleur, bon, je remonterai mes manches, c'est pas grave. Mais celui-là, je vais le faire en manche longue. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai fini cet écheveau-là, je vais aller faire les deux manches pour écouler tout le reste dans le corps. Voilà. Comme toujours, essayez d'utiliser au maximum sa laine pour éviter d'avoir trop de reste. Voilà. Et donc, ben, je tricote que ça tranquillement. En ce moment, j'ai pas énormément de temps pour le tricot. Voilà, vous le verrez dans les vlogs, j'ai pas forcément beaucoup beaucoup de temps tout le temps pour tricoter. Donc ça avance peut-être pas forcément très très vite, mais ça avance bien. Et puis voilà, somme toute, c'est ce qui est le principal, c'est que ça avance tranquillement. Donc moi bah, j'ai rien de plus à vous dire, je vous redirai de toute façon tout ce qui est au niveau du prix d'Hélène et du patron une fois qu'il sera fini. Je m'avance pas sur ce que je vais faire après. J'ai décidé d'arrêter de faire ça parce que, voilà, je vous l'avais déjà dit, ça m'avait créé pas mal de pression de m'avancer trop sur ce que je veux faire après. Voilà, maintenant, ce qui arrivera après, vous le savez, donc souvent en avant-première dans les vlogs, parce que d'ici le mois prochain, ce pull-là, il sera fini et j'aurai déjà commencé autre chose. Et ça, vous le verrez dans les vlogs. Mais sinon, voilà, au prochain épisode de podcast, vous saurez ce que j'ai décidé de faire. J'ai quand même des idées en tête, je sais très bien ce que je voudrais faire, mais voilà, je veux pas m'avancer en fait sur ce que je vais faire parce qu'il y a des fois, il y a un patron qui a un coup de cœur et puis finalement on va le faire ou on a un test et puis finalement on va faire le test et on pourra pas faire ce qu'on voulait. Mais voilà, il peut y avoir des choses qui se passent et on ne sait pas comment ça va se passer. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je sais pas si l'épisode il est très long, comme j'ai coupé à chaque fois pour me changer tout ça, j'ai pas le temps total, ça sera la surprise au montage. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu.
N'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire ou même à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout. Et bon courage à vous pour le mois là qui arrive avec les enfants à la maison, tout ça. Je pense à tous les parents, tout ça, le en télétravail ou autre, en galère pour faire garder ses enfants. Bah, bon courage à tous de toute façon pour la période qu'on vit actuellement. Hein, c'est pas... J'en parle pas souvent, mais voilà, c'est... J'en parle pas souvent, mais je sais bien que c'est quand même compliqué pour tout le monde. Mais voilà, le tricot, c'est quand même... Nous, on a la chance d'avoir le tricot, c'est notre petite bulle à nous. Vous êtes plusieurs à me dire que, de toute façon, vous regardez les vidéos, les podcasts, tout ça, ça vous fait du bien, ça vous fait penser à autre chose. Donc, j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, on va continuer à tricoter pour se détendre et penser à autre chose. Sur ce, bah, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et puis je vous dis à bientôt. Bye !